L'aurore est-elle lourde et sombre en ce début de semaine? Ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs rêves se sont écrasés, ils n'ont pas. Bonjour à tous. Bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu en ce dimanche 14 juin 2020. Et comme vous voyez, nous sommes toujours virtuels, mais j'espère que le Seigneur va utiliser ce temps pour nous fortifier, va utiliser ce temps pour nous sanctifier dans ses voies par son message inspiré, par sa parole.
Nous sommes dans les derniers temps et les caractéristiques prédites par la parole de Dieu se manifestent de plus en plus à nos yeux. Comme un pasteur me le faisait remarquer alors qu'on discutait des choses qui se passent dans le monde en ce moment. Des réalités comme l'aveuglement spirituel des gens. Des réalités comme l'endurcissement du cœur dans le péché. Comme le rejet du message biblique et de cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Comme la passion pour l'impureté et le mal. Toutes sortes de symptômes d'un grand malaise spirituel auprès des gens de notre génération, auprès des gens du monde qui nous entoure. Puis le croyant d'aujourd'hui n'est pas le premier à expérimenter les effets d'un rejet majeur de la population du message de Dieu, d'une apostasie généralisée parmi le peuple. En fait, il y a eu toutes sortes de croyants dans l'histoire qui ont expérimenté cela, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu dans le passé. Mais comment ont-ils réagi? Comment ont-ils survécu? Comment Dieu leur a-t-il permis d'être victorieux, malgré le fait que les ténèbres étaient autour d'eux et la corruption était majeure dans leur société? J'aimerais vous inviter ce matin à chercher avec moi le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie comme un exemple pour nous aujourd'hui. Jérémie chapitre 20. Alors que nous allons apprendre concernant son expérience dans un ministère qui a duré 43 ans, parmi un peuple qui était corrompu, un peuple qui était vendu au mal. Et le Seigneur le décrit très bien dans le livre de Jérémie. Il dit « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements. Le cœur est tortueux, le cœur est perverti, le cœur dévie du plan de Dieu, et Dieu essayait continuellement de les redresser, de les ramener à la vérité. Et cette génération-là, à l'époque de Jérémie, continuait à se détourner du plan de Dieu. Ils persistent dans la tromperie, dans le mensonge, dans l'erreur. Ils refusent de se convertir. » En parlant de cette génération, en parlant de ce peuple, on nous dit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants. Il leur envoyait des serviteurs comme Jérémie pour leur dire « Revenez de vos mauvaises voies, il y avait encore le potentiel, il y avait encore la possibilité de le faire. Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, soyez soumis à ma parole. » En suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes, mais à l'époque de Jérémie, dans ces ténèbres-là de sa génération, ils n'écoutèrent point et ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru à l'Éternel, en l'Éternel leur Dieu. Donc Jérémie chapitre 20 ce matin. Un passage inspiré de Dieu et utile pour nous. Un passage qui est vivant et efficace pour nous permettre de grandir à l'exemple du prophète Jérémie et de pouvoir nous affirmer encore plus dans cette grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Regardons donc ce texte ce matin qui présente le croyant dans un monde à la dérive. Le croyant dans un monde à la dérive à l'exemple du prophète Jérémie, de ce grand serviteur de Dieu. Jérémie chapitre 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, notre texte ce matin, Jérémie chapitre 20. Et c'est Jérémie qui parle. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, que je leur présente leurs conditions spirituelles. Et la parole de l'Éternel, le message que Dieu m'a donné pour ma génération et pour mon peuple, est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de l'Éternel et de son message. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant
qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. La réalité de la connaissance de Dieu, la réalité de l'expérience d'une relation avec Dieu qui remonte à la surface et qui pousse Jérémie à proclamer le message de Dieu. Car j'apprends, verset 10, les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le en parlant du prophète de Dieu et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi, et non seulement dans cette vie, ce sera une honte éternelle dans l'au-delà qui ne s'oubliera jamais. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Et dans ce livre-là du prophète Jérémie, aussi dans son second livre, le livre des Lamentations de Jérémie, il partage à plusieurs reprises la difficulté de vivre pendant l'apostasie, la douleur de proclamer le message de Dieu envers un peuple endurci, et la difficulté de suivre cet appel-là de Dieu pour accomplir son plan lorsque la grande majorité ne s'inquiète pas du tout des choses de Dieu et ne s'intéresse pas du tout au message de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte ce matin, qu'on puisse considérer ce que Jérémie révèle de son expérience dans le ministère et qu'on puisse être encouragé à continuer et à accomplir la volonté de Dieu. On va prier juste avant. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, merci pour ce privilège de connaître ta parole. Merci pour le livre du prophète Jérémie. Merci que c'est un passage ce matin qui est inspiré et qui est utile. Seigneur, ton Saint-Esprit a daigné nous le révéler afin qu'on puisse le comprendre et afin qu'on puisse imiter cette résolution du ministère de Jérémie et cette résolution de cœur de continuer dans tes voies. Et Seigneur, c'est certain qu'à l'époque de Jérémie, les temps étaient difficiles. C'est certain qu'alors qu'il prêchait ton amour et qu'il prêchait ta justice, les gens ne voulaient pas de son message. Et bien souvent, le peuple, les sacrificateurs et même les faux prophètes se levaient pour non seulement le contredire, mais aussi le menacer, Seigneur, de l'exécuter, de le tuer. Comme dans Jérémie 26, lorsque toute la foule l'ont entouré, et lui ont dit « Tu mérites la mort à cause du message que tu proclames à Jérusalem. » Et Père Céleste, Seigneur, on considère Jérémie, et on considère ta grâce que tu lui as donnée. Et aussi, Seigneur, on considère que, effectivement, les ténèbres s'épaississent autour de nous. Et étant dans les derniers temps, nous savons qu'il y aura des temps difficiles où les hommes ne supporteront pas, Seigneur, tu as révélé à Timothée la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables, se donnant une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et Père, on voit ça autour de nous, et on voit ça de plus en plus se manifester dans les sentiments sociaux et dans la norme du peuple dans lequel nous habitons. Alors, Père Céleste, on te prie que tu puisses nous bénir ce matin, nous encourager, et nous permettent d'aller de l'avant pour toi. Tu nous dis, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, permets-nous de progresser, permets-nous d'être déterminés, et affermis-nous, rends-nous inébranlables dans tes voies. Utilise l'exemple de Jérémie, nous te prions ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais premièrement vous faire remarquer, dans ce beau passage des Écritures, l'appel du serviteur de Dieu. L'appel du serviteur de Dieu dans cette génération particulière, malgré la corruption de sa génération, malgré la méchanceté de l'homme en général, malgré le rejet du message divin,
Le Seigneur voulait toujours qu'il y ait quand même un Jérémie parmi cette génération. Il voulait qu'il y ait un Jérémie pour leur prêcher son message. Il voulait qu'il soit un témoin de sa grâce et de son pardon. Il désirait que tous puissent entendre cette vérité-là pour les ramener dans cette relation-là, malgré le fait qu'à travers 43 ans de ministère, la plupart ont rejeté cela. C'était quand même un signe de la grâce et de la miséricorde de leur Dieu. Il a dit, mais si cette nation, puis Dieu a dit à Jérémie, vas-y leur dire ça, proclame-leur mon pardon. Si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, se repent de son péché, je me repens du mal que je vais penser lui faire. Alors que j'ai proclamé la captivité babylonienne, alors que j'ai dit que le peuple serait complètement détruit, cette génération-là serait anéantie, les vieillards, puis les enfants, puis les femmes enceintes, les villes allaient devenir désertes, et tout allait être chambardé, même la gloire du temple allait être détruite. Il a dit, malgré tout cela, si le peuple réagit bien à mon message, va leur dire, proclame cette bonne nouvelle, qu'ils peuvent revenir à leur Dieu, qui est bien disposé pour leur pardonner. Jérémie a dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, c'est pas dans la chair, c'est dans le cœur que c'est important. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Donc il y a encore du temps, il y a encore de la grâce, il y a encore cette opportunité. Dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, on peut encore se tourner vers lui. Et de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions, Jérémie était appelé à aller proclamer le pardon de Dieu. Au verset 7 de notre texte, dans Jérémie chapitre 20, on nous dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, en parlant de son appel, en parlant de son message. Tu m'as persuadé, Éternel. » Et je me suis laissé persuader, je voulais être ton serviteur, je voulais accomplir ta volonté, je voulais suivre ton plan pour ma vie. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, je regarde les gens, je regarde leur regard, je leur regarde rire alors que je proclame le message, et dis tout le monde est contre moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression qui se passait à travers cette génération. Et la parole de l'Éternel, le message que tu m'as donné est pour moi un sujet d'opprobre, de honte et de risée chaque jour. Et peut-être comme Jérémie, vous avez expérimenté cela. Peut-être que des fois, lorsque vous partagez le message que Dieu nous a confié en tant qu'Église, vous sentez que c'est honteux, vous sentez que les gens se moquent de vous, qu'ils se détournent de votre sauveur, qu'ils ne font aucun cas de la bonne nouvelle qui vous a été donnée. Et certainement pour Jérémie, ce n'était pas un appel qui était agréable. Pour lui, ce fut nullement un ministère désirable, bien au contraire, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a partagé son ministère qu'il devait accomplir. On nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Donc, je te connaissais par ton nom, je savais exactement qui tu es, je savais les œuvres que j'avais préparées d'avance pour toi, Jérémie. Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, mis à part, tu étais un instrument que j'avais favorisé pour une tâche particulière, je t'avais établi prophète des nations. Et dès que Jérémie a entendu cela, la Bible nous dit, ah, je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et fort probablement qu'il était très jeune, effectivement, mais aussi probablement qu'il regardait le monde autour de lui. Il connaissait le seul vrai Dieu et la plupart des gens étaient aveuglés. Il connaissait la vérité et la plupart des gens ne la saisissaient pas. Il voyait l'idolâtrie, il voyait le culte qui était offert à Astarté, puis à Baal, puis à Moloch, puis à toutes les fausses divinités.
Et là, le seul vrai Dieu lui disait, il faut que tu ailles et que tu confrontes les gens. C'était certainement pas populaire, c'était certainement pas souhaitable pour lui de le faire. Et on fait juste penser à cela dans l'histoire chrétienne. Il y a eu des temps où le fait d'être religieux, si on pourrait dire, ou le fait de faire partie du clergé, il y a eu des temps où l'Église catholique romaine, la Sainte Église catholique, était dans sa gloire puis dans sa puissance, le 10e, 11e, 12e siècle. Là, tout le monde voulait être prêtre, tout le monde voulait avoir ce rôle-là dans le clergé. Mais avec les changements, puis surtout la venue du 20e siècle, les transformations sociales, là, c'est devenu un temps où dans la société, la foi, c'était quelque chose qui n'était plus considéré. Ce n'était plus quelque chose qui était vu comme étant légitime. Et là, même aujourd'hui, mais l'Église catholique romaine a de la difficulté, n'est-ce pas, à avoir des prêtres, de la difficulté à avoir des gens dans le clergé. Puis c'est pas seulement dans l'Église catholique romaine, c'est quelque chose qui est plus visible à cause de tout le spectacle qu'ils font là, de leur culte, puis ainsi de suite. Mais même dans les églises chrétiennes, c'est difficile d'encourager les jeunes à considérer le ministère. C'est rare qu'on voit des gens qui s'en vont au collège biblique pour se former, pour ensuite revenir puis accepter un appel d'une église quelconque. C'est certainement pas populaire, comme ce ne l'était pas non plus à l'époque de Jérémie. Puis donc, dès qu'il a commencé, puis qu'il a commencé à voir la risée, puis commencé à voir les gens qui se moquaient de lui, tout de suite, ça a été un combat dans son cœur. Un auteur dit la plainte de Jérémie ici dans Jérémie chapitre 20. Oui, tu me saisis, mais c'est tellement difficile, Seigneur. C'est tellement pénible d'aller auprès de ma famille, puis d'aller auprès de la société. Mais cette plainte de Jérémie, semblable à celle de Job, présente un peu sa faiblesse humaine à la suite de son emprisonnement, parce qu'il a été emprisonné. Puis c'est probablement tout de suite après cela qu'il dit ces choses. Il dit, « Tu m'avais promis de ne jamais me livrer à la volonté de mes ennemis, et pourtant tu l'as fait. » Mais Jérémie a mal compris la promesse de Dieu, qui n'était pas qu'il n'aurait rien à souffrir, mais que Dieu le délivrerait de toutes ses souffrances. Puis effectivement, c'est ce que Dieu lui avait dit, puis on va le voir dans un instant, qu'il allait l'accompagner, qu'il allait être avec lui tous les jours de sa vie pour lui permettre d'accomplir ces choses-là, qu'il allait se mettre sous le joug avec Jérémie pour pouvoir servir dans le plan de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'appel de Dieu pour l'enfant de Dieu est très clair. Dieu nous dit « Allez par tout le monde ». Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé comme signe de son salut, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis nécessairement, il y a eu des périodes de temps où ça a été plus facile pour les chrétiens, il y a eu des périodes de temps où ça a été beaucoup plus difficile. Et fort probablement alors que l'apostasie s'installe de plus en plus dans les nations, que ça va être difficile pour l'enfant de Dieu. Mais Dieu nous appelle à le faire. Comme Jérémie, Dieu nous dit qu'il va être avec nous tous les jours, qu'il va nous donner sa grâce. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé. Puis nécessairement, le ministère de Jésus n'était pas facile. Il a dit, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils ont traité ainsi le maître, ils traiteront ainsi son serviteur. Puis il dit, Dieu m'a envoyé, puis j'ai accompli sa volonté. Il dit, moi aussi, je vous envoie. Puis il dit, juste en passant spirituellement, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Puis Dieu nous dit qu'en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité. Notre Père Céleste veut qu'on saisisse que c'est lui qui nous appelle à partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et qu'on doit garder à cœur de lui être agréable plutôt que de plaire aux hommes. Dans 1 Thessaloniciens 2:16, je pense, peut-être que je me trompe dans la référence, mais Paul le dit, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est ce que Jérémie devait repasser dans son cœur. Il était là pour plaire à Dieu. Il devait s'attacher à la volonté de son Dieu.
même si cette volonté était difficile, même si l'appel de Dieu nous semble pénible, même si ces œuvres que Dieu a préparées d'avance vont un peu à l'encontre de nos désirs puis de ce qu'on veut en tant que chrétien. Un auteur nous dit « Hésitez-vous envers un service risqué et coûteux auquel vous savez dans votre cœur que Dieu vous a appelé, n'hésitez plus. » Puis ce pasteur-là le savait, c'était quoi d'avoir un ministère difficile, puis de payer un prix pour accomplir le plan de Dieu. Il dit « N'hésitez plus. Votre Dieu est fidèle et adéquat pour vous. Vous n'aurez jamais besoin de plus qu'il ne peut fournir. Et ce qu'il fournit à la fois matériellement et spirituellement sera toujours suffisant pour vos besoins. Si vous êtes prêt à accomplir la volonté de Dieu, si vous êtes prêt à vous attacher au ministère qu'il vous a confié, à suivre son appel pour votre vie. Et Dieu a un appel pour chacun de nous en tant que chrétiens. Puis il y a des choses qu'il a préparées spécifiquement pour nous. Il nous a équipés spirituellement, il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour accomplir son plan ici-bas, sur cette terre. Mais donc, on voit cet appel-là, mais j'aimerais aussi vous faire remarquer dans l'exemple de Jérémie, le découragement. Le découragement du serviteur de Dieu. La tentation de tout laisser tomber. La réaction du cœur du croyant envers la méchanceté des hommes, peut-être le rendurcissement, peut-être la honte de proclamer le message du Seigneur ou de se tenir debout en tant que chrétien pour la vérité de Dieu. Cette lassitude-là qui peut se développer dans notre vie en face de faire ce qui est bien, alors que l'erreur et le mal est partout dans notre génération. Et c'est pour ça que j'ai tellement apprécié le verset de vie de mon pasteur. Puis nous le partageait régulièrement parce que je pense qu'il le repassait régulièrement dans son cœur aussi, mais c'était Galates 6:9, « Ne nous lassons pas. » C'est un commandement de Dieu. C'est ce que Dieu nous ordonne. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc c'est conditionnel et c'est pour ça que Dieu veut cela dans notre vie pour qu'on puisse porter de beaux fruits en tant que chrétien. Il dit « Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, comme conclusion ou comme décision, pratiquons le bien envers tous. » Parce qu'il ne faut pas se lasser de faire le bien, et surtout envers les frères dans la foi. Dans 2 Thessaloniciens, au verset 3, chapitre 3, verset 13, on nous dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Et quand ce découragement-là vient dans notre cœur, quand les ténèbres viennent nous accompagner, il faut saisir ces vérités-là et être prêt à continuer pour la gloire de Dieu. Il dit, le remède, le pasteur Wesley dit, le remède au découragement est la parole de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre cœur et votre esprit de sa vérité, lorsque vous passez du temps dans les Écritures, la foi vient de ce qu'on entend. Pour être courageux dans le Seigneur, ça prend de la foi. Le mot foi, ça veut dire certitude ou hardiesse. C'est cette capacité-là de croire, cette capacité-là d'avoir des convictions malgré les circonstances. Et la foi vient de la parole de Dieu. Donc, il dit le remède à notre découragement en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre cœur et votre esprit de sa vérité, vous reprenez votre perspective. Et vous trouvez une force renouvelée à cause de cette victoire-là que Dieu fait dans notre cœur, en face de notre dépression, en face de notre découragement pour la gloire du Seigneur. Regardez au verset 9, Jérémie chapitre 20, alors que Jérémie était vraiment dans un moment de décision, qu'il exprime ce qu'il est en train de vivre. On nous dit au verset 9, « Si je dis... » À la lumière de cette honte et de cette risée, de cette moquerie généralisée, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que je peux enlever la pression de sur ma vie? Comment est-ce que je peux avoir un peu plus de soulagement? Vous allez aller voir les experts du monde, puis ils vont avoir toutes sortes de solutions. Éloigne-toi de la Bible, éloigne-toi de l'Église, éloigne-toi des chrétiens, éloigne-toi de l'Évangile. Puis là, tu vas avoir moins de pression dans ta vie. C'est un peu ça que Jérémie est en train de vivre. Là. Il dit, qu'est-ce que je peux faire?
puis dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Ah! Je ne proclamerai plus le message du Seigneur. Je n'agirai plus comme un prophète de l'Éternel. Ah, là, je vais être correct. Non, c'était pas ça la solution. C'était pas d'enlever la pression. C'était pas le syndrome du savon. Hein? On met de la pression sur un savon mouillé, puis il s'en va ailleurs. Puis on pense qu'ailleurs, ça va être correct. On pense que dans d'autres circonstances, avec une autre épouse, ou avec d'autres enfants, ou dans un autre travail, ou quelque part d'autre, toujours essayer d'enlever les circonstances que Dieu permet. Puis des fois, il le faut. Mais bien souvent, c'est pas ça la solution de Dieu. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il dit, c'est pas ça le plan de Dieu. C'est pas ça que l'Esprit de Dieu est en train de faire pour me permettre de grandir spirituellement et d'avoir la victoire. Il y a dans mon cœur, à l'intérieur de moi, comme un feu dévorant, une flamme qui vient de Dieu, qui est renfermée dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Alors que le découragement s'était propagé dans le cœur de Jérémie. Il dit, je vais essayer de trouver une solution pour s'apercevoir dans les versets suivants que ce n'était pas ça la solution de Dieu. Vous savez, le découragement, comme bien d'autres sentiments du cœur du croyant, est affecté par la manière que celui-ci, que l'enfant de Dieu, pense et réfléchit sur sa vie, sur ses relations, sur son ministère, sur sa propre personne. Pour remédier à un mauvais sentiment, une mauvaise disposition du cœur, le serviteur de Dieu doit prendre les promesses de la parole de Dieu et les repasser dans son cœur, pour qu'il revienne à ce courage et à cette victoire-là que peut produire la parole de Dieu en lui. C'est pour ça qu'on encourage les gens qui sont déprimés, c'est pour ça qu'on encourage les gens qui sont découragés, les gens qui ont des craintes, les gens qui ont toutes sortes d'angoisses. Peu importe les sentiments qu'ils vivent, on dit « gère ce qui se passe dans tes pensées. Gère comment tu vois la chose. » Et pour le faire, serre la parole de Dieu dans ton cœur et la parole de Dieu va te donner cette victoire. Et c'est ce que Jérémie a vu dans son ministère, dans Lamentations. Il dit « quand je pense à ma détresse et à ma misère, c'était tellement grand le poids qu'il portait, il voyait ça comme une détresse personnelle. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, je goûte à ça, puis c'est amer, puis je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir dans le plan de Dieu. Je suis en train de mourir dans le ministère du Seigneur. Je suis en train de mourir alors que je me soumets à lui. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Ça, c'est une bonne description d'une dépression, n'est-ce pas? D'être déprimé personnellement, d'être totalement découragé, de ne pas voir de possibilités, de ne pas voir de solutions, de ne pas voir d'avenir. On arrive devant une montagne, un géant terrible. Puis je regarde mon ministère, puis je regarde l'appel de Dieu, puis je regarde ce que je dois proclamer pour le Seigneur, puis c'est terrible. Mais il dit, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui doit mijoter à l'intérieur, ma méditation personnelle, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Toutes les promesses qui me viennent d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui est là pour moi, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Voyez-vous comment il y a eu un changement, un cœur abattu, un esprit totalement découragé, un cœur relevé. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche.
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, alors que je repense ses vérités dans mon cœur, alors que je m'assure de bien penser et de ne pas laisser les circonstances m'affecter, mais de laisser les promesses de Dieu, ce Dieu éternel, ce Dieu qui nous a dit que les choses invisibles durent à toujours, les choses visibles sont temporaires, mes circonstances sont temporaires, mes difficultés, mes pressions, ça va venir qu'à cesser. Mais les promesses de Dieu durent pour toujours. Et Dieu m'appelle à me confier en lui. Mais vous savez, en tant que chrétien, c'est pas différent que Jérémie. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur prend bien au sérieux ce qu'on laisse passer dans notre esprit, les pensées qu'on tolère dans notre cœur. Il dicte à ses enfants de serrer ses promesses dans leur cœur. Il leur donne la victoire dans leur homme intérieur lorsqu'ils sont prêts à suivre son plan, lorsqu'ils sont prêts à accepter la puissance du message de Dieu et des promesses de Dieu pour renouveler leur homme intérieur et les relever dans leur détresse, pour leur donner la victoire. Dans Philippiens 4, au verset 8, il nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. » Donc, on va enlever toutes les ténèbres de nos circonstances, de nos difficultés, des problèmes de relations, des problèmes conjugales, des problèmes filiales, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, de qualité et digne de louange aux yeux de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Puis quand, comme mon pasteur, on dit Galates 6,9, puis moi je le répète régulièrement, ne nous lassons pas de faire le bien. Hein, il faut continuer, il faut relever nos manches. 1 Corinthiens 15, au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Puis là, je répète ça dans mon cœur, puis toutes sortes, des centaines de versets qui m'encouragent. Puis là, je repense ces choses-là dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, comme un chrétien qui est relevé, un chrétien qui est victorieux, un chrétien qui marche avec le Seigneur, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Parce qu'on accepte de gérer nos pensées. On accepte d'amener toute pensée, 2 Corinthiens 10 au verset 4, captive à l'obéissance de notre Maître, l'obéissance de Christ. Seigneur, je veux avoir ta pensée. Seigneur, je veux voir les choses par la foi. Seigneur, je veux t'honorer par cette méditation intérieure alors que je médite le bien et que je considère ta bonté. Je considère que tu es mon Père céleste, un bon Père qui prend soin de moi. Et à la lumière de ça, je veux être victorieux dans tes voies. Dans Éphésiens chapitre 3, Paul priait pour les chrétiens. Il dit « À cause de cela, dans les circonstances, je fléchis les genoux devant le Père, je m'approche du trône de la grâce, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il, en réponse à mes prières, vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Pas un cœur abattu, pas un esprit découragé. Être relevé et fortifié, devenir fort dans le Seigneur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Pas les craintes, pas les soucis, pas les convoitises, pas les déceptions qui habitent, qui demeurent sur le centre de mon cœur, sur le trône de ma vie, mais que ce soit Christ ayant les regards sur lui, étant concentré sur lui, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, puis l'on continue l'épître, on puisse marcher dans les voies du Seigneur. Mais ça, ça ne sera jamais exaucé, cette prière-là. Jamais est-ce que notre Père céleste va pouvoir nous fortifier comme ça si on ne gère pas la manière qu'on voit les choses. S'il y a donc un découragement perpétuel dans votre vie, si vous vivez des moments de dépression régulière, il ne peut venir d'aucune faiblesse et impuissance de la part du Dieu puissant, mais d'un échec de votre part. C'est toujours le cas.
quand on est abattu, découragé, tout ça, c'est pas que Dieu n'est plus capable de nous soutenir, c'est pas que Dieu nous a abandonnés, c'est quelque chose que nous, on a dans notre vie. Hein, c'est comme les scories, alors qu'on met ces métaux-là précieux dans une fournaise, puis ça fait remonter les impuretés, on peut les enlever, mais c'est comme les scories qui remontent, hein, les inquiétudes, puis la dépression, puis la colère, puis toutes sortes de sentiments, de découragement. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut enlever. Puis c'est pas lui le problème. Et cet échec peut probablement être trouvé dans l'une de trois facettes, des trois facettes suivantes. Une consécration imparfaite, on n'est pas vraiment tout donné au Seigneur. Une foi déficiente, on ne se confie pas comme on devrait. Ou une communion négligée, on ne marche pas avec lui. Et on ne dépend pas de lui, on ne demeure pas en lui, on n'est pas rempli de son esprit. Nécessairement, toutes ces armes-là, puis ces capacités-là que Dieu nous a données, si on les néglige, puis on n'en profite pas, mais on ne peut pas s'attendre à être victorieux. Un chrétien qui est loin de Dieu, un chrétien qui est charnel, un chrétien qui est mondain, un chrétien qui ne passe pas de temps dans les Écritures, qui ne nourrit pas son âme de la parole de Dieu, qui ne désire pas comme un nouveau-né le lait spirituel et pur pour croire dans les voies de Dieu. C'est certain que ce n'est pas un chrétien victorieux. Et Dieu ne répond pas à cette prière-là. Mais voici, c'est encore le jour où on peut faire ce choix. Le jour où on peut décider d'accomplir le plan de Dieu. Mais quand l'intention de l'âme est bonne chez l'enfant de Dieu et en accord avec le plan de Dieu, sans aucun doute, Dieu nous relèvera. Dieu nous permettra d'avoir la victoire. Puis juste en passant, le fait de vivre des découragements et d'avoir une lassitude ne disqualifie pas le serviteur de Dieu. Jérémie, ça y est arrivé régulièrement. Puis Dieu a continué à l'utiliser parce qu'il l'a relevé. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Bien souvent, les victoires qu'un tel chrétien va expérimenter sur son découragement vont le rendre très utile pour encourager les autres. Très utile alors que le Seigneur va le relever pour qu'il soit un puissant soutien pour autrui, pour sa famille et sa maisonnée. Puis le pasteur C.H. Spurgeon a vécu des temps de découragement. Le prince des prédicateurs a eu de l'abattement dans le cœur, puis il a dit vers la fin de sa vie, « J'irai dans les profondeurs du découragement à maintes reprises, si ceci me permet d'encourager un esprit abattu. » 2 Corinthiens chapitre 1, Paul y dit, « Quand on souffre avec Christ, on expérimente la grâce de Christ, puis sa compassion, puis... on est relevé par Christ et dit, moi, j'expérimente ça pour vous encourager à vous tourner vers celui qui peut vous fortifier. Il est bon pour moi, pasteur Spurgeon dit, d'avoir été affligé, afin que je sache dire un mot bien placé à quelqu'un qui est abattu et découragé. Pour faire partie de la solution, pour être un encouragement pour les autres, pour pouvoir vivre dans ces ténèbres-là de nos expériences et nos circonstances, en sortir victorieux et soutenir tous ceux comme nous qui expérimentent ces mêmes choses. Dans 1 Pierre chapitre 4, on nous dit au verset 4 que comme nous, on est éprouvés, on est attaqués par les traits enflammés du malin, on souffre comme notre sauveur, que c'est la même chose que les chrétiens vont vivre partout dans le monde. À différents niveaux, ils vont aussi vivre des différentes circonstances adverses. Puis nous, on est là pour les encourager, les soutenir et ne pas faire partie du problème. Je lisais que pendant la guerre de Boer en Afrique du Sud, il y avait un bataillon qui avait un grand découragement. Tout à travers les conflits, il y avait toujours un genre de dépression parmi les soldats. Puis le commandant, à un moment donné, s'est tanné, puis a commencé à chercher pourquoi est-ce qu'il y avait cette dépression-là, pourquoi est-ce que les soldats n'avaient pas le courage de se lever pour la reine, puis protéger leur pays, puis les droits des Blancs là-bas en Afrique du Sud, puis tout le contexte de la guerre. Puis alors qu'il regardait cette situation-là, à un moment donné, il a appris d'un des soldats qui, lui, allait partout parmi les autres soldats, pour dire que ce n'était pas une guerre qui était digne,
pour dire que ça ne valait pas la peine de protéger la couronne, pour dire que finalement, on ne devrait même pas être dans ce conflit-là. Puis pendant des mois et des mois, à chaque fois, il évitait d'aller au front, puis il s'en allait parler aux malades, il s'en allait parler à ceux qui étaient dans les différents endroits, puis il essayait toujours de les décourager. Puis ça avait vraiment fait un impact sur les autres. Mais en tant que chrétien, on peut avoir la victoire. En tant que chrétien, on peut sortir de notre dépression, on peut sortir de notre découragement. Lorsqu'on accepte son appel, puis on accepte que ça soit difficile cet appel-là, même qu'on souffre et qu'on gère convenablement l'état de notre cœur, alors on peut s'attendre à la victoire du serviteur de Dieu. La victoire du serviteur de Dieu, comme Jérémie tout à travers son ministère. La grâce offerte par le Seigneur pour accomplir toute sa volonté. Sa force et sa puissance derrière le ministère de son enfant bien-aimé. Au verset 11, on nous dit dans Jérémie chapitre 20, « Mais l'Éternel est avec moi. » Ça, ça fait toute la différence. Les difficultés, les circonstances, les problèmes, la douleur, la montagne, le géant de l'adversité. Puis là, on dit, mais il y a quelqu'un de plus grand. Mais il y a quelqu'un qui peut changer les choses. Mais il y a quelqu'un qui peut me fortifier par son esprit dans l'homme intérieur. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas, et on en parle encore aujourd'hui. Et puisque les Écritures sont inspirées, et les Écritures sont même dans les cieux, le psaume 119 nous dit ça, verset 89 peut-être, « À toujours éternel, ta parole est dans les cieux. » Et peut-être pendant l'éternité, on va se rappeler de ce que Jérémie a vécu, mais c'est certain qu'il y en a qui ont entendu son message, qui n'ont pas voulu se convertir, qui n'ont pas voulu se détourner de leur péché, et eux, ils vont s'en souvenir éternellement. Et une honte éternelle les accompagnera. Verset 12, « L'Éternel des armées éprouve le juste, il utilise ses circonstances, il permet ses difficultés, il a toujours un but de nous rendre encore un meilleur serviteur, encore plus nous purifier, puis nous sanctifier, nous mettre dans le fourneau ardent 1 Pierre 4:12 pour que, effectivement, notre foi soit purifiée, qu'on puisse grandir à l'image de Jésus-Christ. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. « Car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel. » Quelle transformation, n'est-ce pas? Du découragement, d'un désir de mettre de côté le ministère, une lassitude envers suivre le plan de Dieu, à venir au Seigneur pour le louer et l'adorer. « Chantez à l'Éternel. Louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. » Et Dieu lui avait promis, « Écoute, ça ne sera pas facile, mais je vais te fortifier. Je vais te rendre tellement puissant que je vais te comparer à une forteresse, une muraille d'une grande ville fortifiée. » Il a dit dans Jérémie chapitre 1, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. » Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu a répété cette promesse de son appel. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Un auteur a dit, « Si Dieu nous a appelés à une tâche, il nous qualifiera aussi ou alors pour son travail. » Comme Dieu avait appelé Jérémie, puis comme Dieu l'avait établi pendant une génération qui était totalement loin de lui, livrée au mal, une génération qui allait être amenée en captivité ou une bonne partie du peuple qui allait être tout simplement tuée,
et une autre partie qui allait être amenée en captivité. Mais Dieu a dit, écoute, je t'appelle pour ça et certainement je vais t'équiper. Certainement je vais te soutenir. Certainement je vais être avec toi, Jérémie, pour accomplir mon plan et pour pouvoir me glorifier. Je me souviens d'un des ministères missionnaires les plus difficiles du 19e siècle, le ministère d'Adoniram Judson, qui est allé en Birmanie, puis qui avait servi le Seigneur là-bas, puis quand il est arrivé, tout de suite, il y a eu de l'opposition. Il a été là pendant presque 40 ans à servir le Seigneur. Mais il y a eu de l'opposition, il a vécu de la maladie, même de la mortalité. Il a été emprisonné pendant des mois et des mois. Il y avait de la résistance à l'Évangile. Puis quand on lit ses écrits, puis quand on apprend des témoins qui ont côtoyé Adoniram Judson, il y a une chose qui revenait toujours, c'est qu'il était déterminé à finir sa vie en accomplissant la volonté de Dieu. Il voulait avoir combattu le bon combat, et ça, ça se trouve dans le plan de Dieu. En suivant l'appel de Dieu, en accomplissant ces œuvres-là que Dieu veut, il dit, c'est ça le bon combat. Il dit, c'est vivre pour le Seigneur, puis suivre le Seigneur, puis prendre les dons qu'il m'a donnés, puis les mettre au service de l'œuvre de Dieu. Puis il dit, je veux achever un jour la course, et je veux savoir dans mon cœur, comme l'apôtre Paul, que maintenant la couronne m'est réservée. Puis tout à travers ces temps difficiles, des temps de découragement, des temps d'épreuve, il revenait toujours aux promesses de la parole de Dieu. Et il a été victorieux. Les âmes ont été sauvées, les églises ont été fondées. Il a servi dans le pays où Dieu le voulait. Puis il a quitté un jour ce monde, sachant qu'il avait été victorieux dans son sauveur. Oh, l'appel du serviteur de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a un appel pour chacun de nous. Dieu a un plan particulier et c'est très possible que ce soit un appel difficile. Mais on voit le découragement possible. Il faut gérer nos pensées. Il faut repasser dans nos cœurs les promesses de Dieu. Philippiens 4:13, un autre passage qui m'aide tellement. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça m'encourage, je puis être victorieux. Le Seigneur va m'accompagner et va me donner la victoire. Et dernièrement, cette victoire-là qui caractérise ceux qui se soumettent à Dieu et ceux qui permettent à la pensée de Christ de régner dans leur cœur. Et malgré tout ce qui se passe autour, puis malgré l'apostasie généralisée, ce serviteur-là qui est dans le centre de la volonté de Dieu et qui va achever un jour sa course, qui va traverser la ligne d'arrivée et qui va pouvoir rentrer dans la joie de son maître. Est-ce que ça va être toi en tant que serviteur? Est-ce qu'un jour tu vas l'entendre te dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'espère que ce message ce matin et cet exemple de Jérémie nous encourage à prendre à cœur de toujours veiller sur nos pensées, veiller sur notre cœur, de serrer sa parole, la lire, la méditer, la mémoriser, la serrer dans notre cœur, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous fortifier dans notre homme intérieur, nous permettant d'accomplir toute la volonté de Dieu. Je prie pour vous, n'oubliez pas les mercredis soirs. Les mercredis soirs, on a notre temps d'études bibliques, mais aussi on a notre temps de prière. Puis je vous encourage maintenant, si vous voulez vous joindre à nous après la réunion, pour prendre ce temps-là dans la prière, de le faire, mais que chacun soit fidèle à l'appel de notre Dieu. Bonne semaine à tous et à bientôt.